Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous présente aujourd'hui, vous l'avez déjà vu en avant-première sur ma page Facebook ou mon groupe, c'est une carte cadeau chevalet. Elle tient debout, elle peut servir d'objet décoratif sur un meuble. Lorsque vous offrez votre carte, il y a un petit aimant à l'arrière, vous l'offrez fermé, comme ça, sous le sapin. Et lorsqu'on l'ouvre, apparaît donc le chevalet, mais également ici à l'arrière, une petite carte sur laquelle vous mettrez votre message et derrière votre chèque ou vos billets. En plus, lorsqu'on ouvre, la partie arrière avance pour bien laisser apparaître le message. Je l'ai réalisé pour Noël, je l'ai réalisé pour un anniversaire. Celle-ci va partir dès la vidéo terminée. Et j'ai réalisé ces deux-là pour Noël et nous allons faire une troisième ensemble pour Noël également. Je vous montre plus en détail celle-ci, réalisée principalement avec le lot Reine Fringant. Pour cela, j'ai utilisé le lot panneau de Noël. L'avantage, c'est que là, je n'ai même pas eu besoin de colorier puisque j'ai utilisé les papiers qui sont associés. J'ai découpé avec les poinçons. Le coloriage est tout fait. En plus, il y a un peu de mousse à certains endroits sur le blanc. Ici, sur le tablier, là, sur les chapeaux. Le Père Noël sur le chapeau. Ici, pareil, sur le panneau, on a de la mousse ici. Pareil sur les cadeaux. Le papier est magnifique. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de colorier. Tout est frais. Et même principe, lorsqu'on ouvre, la carte pour laisser le petit message sort et derrière, on y cache le chèque ou l'argent. Même principe, l'aimant. Ici, j'ai utilisé le sceau officiel du Père Noël. Quant à la carte d'anniversaire qui va partir, pour ce qui est de la page de devant, j'ai utilisé les mêmes méthodes pour chacune des cartes. J'ai fait des tâches avec de la Versamark que j'ai embossé avec de la poudre argentée. Et lorsqu'on ouvre, je vous laisse voir en avant-première un set de tampons et de découpes qui va paraître dans le nouveau catalogue printemps-été 2019. Petite indiscrétion que vous avez la chance de voir en avant-première. Pour ce qui est de notre carte pour Noël, vous aurez besoin d'une feuille A4 de papier cartonné. J'ai pris le coloris Marée Montante et on va faire des pliages dessus. Pour l'instant, je n'ai rien plié pour qu'on le fasse ensemble. Sinon, vous aurez besoin également d'une feuille de papier cartonné toujours Marée Montante, de 24 cm de long par 21 de large. Et on va la plier en deux, donc une ligne de marquage à 12 cm. Vous aurez besoin d'un papier à motif associé, un morceau de papier à motif coordonné au papier cartonné. J'ai choisi le papier de la série spécialité Noël Joyeux. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez Stampin' Up, le fait qu'ils coordonnent leur papier à motif avec leur papier cartonné, avec le papier à paillettes, avec les encres que l'on retrouve exactement dans les mêmes coloris, les feutres à alcool, les feutres classiques, les Stampin' Blend, les Stampin' Write, les crayons aquarellables, les rubans, les embellissements. Vraiment, je trouve que c'est génial parce que ça nous permet de ne pas faire de faute de goût, je dirais. Pour ce papier à motif, il mesure 22,5 cm de long par 6 cm. On va marquer un pli à 1 cm sur trois côtés uniquement. Vous aurez besoin d'un morceau de papier à motif de 20 cm de large par 24 cm de long. Ici, j'ai utilisé une perforatrice qui n'est plus au catalogue malheureusement, mais si vous avez des perforatrices qui font des lisières, ne vous en privez pas. Vous aurez besoin de deux
rectangle de papier marée montante, papier cartonné, de 8 cm par 4 et deux morceaux de papier à motif de 8,5 cm par 4,5 cm. Vous aurez également besoin d'un rectangle de papier à motif de 10 cm par 3,5 cm, un autre de 10 cm par 2,5 cm, un autre de 10 cm par 1,5 cm. Vous aurez besoin pour la petite carte sur laquelle vous mettrez votre message de papier, là je l'ai choisi murmure blanc pour cet exemple, mais vous pouvez aussi le prendre dans le coloris de fond, suivant le fond que vous choisissez, ou dans un des coloris associés à votre carte. Il fait 18 cm par 8 cm. Vous aurez besoin d'un morceau de papier, celui-ci c'est Tip Top Top, il n'existe plus au catalogue. À la base je voulais du gris granit, malheureusement je n'en avais plus, donc j'ai choisi celui qui s'approchait le plus aux petites taches de mon papier à motif, et celui-ci allait pas mal, donc j'ai choisi ce coloris, et celui-ci mesure 20 cm5 par 11 cm5. Il vous faudra des chutes de papier métallisé cuivré. Vous pouvez aussi opter pour un papier cuivré à paillettes qui est également au catalogue, automne hiver. Et il existe dans trois coloris. Je vais utiliser d'ailleurs deux coloris pour ce projet. Celui-ci, je vais vous montrer pourquoi je m'en suis servi. Enfin, il me restait cette petite chute-là. Je vais décorer ma carte sur laquelle je mets mon message avec cette petite chute. Voilà pour ce projet que nous allons réaliser ensemble. Et cette fois, je vais utiliser le lot Farmhouse Christmas. Avant de démarrer le projet, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ces grosses fleurs en fond. Celle-ci, ce fond de carte-là, nous allons le faire ensemble puisque je vais le reproduire sur le projet d'aujourd'hui. Mais je vous explique rapidement pour ces grosses fleurs. J'ai utilisé le set de découpe parfait.setia avec cette grosse fleur. J'ai fait un pochoir comme ceci. J'ai utilisé la fleur à différents endroits. J'ai utilisé ces découpes ici, que l'on retrouve, pour faire mon fond de carte. Et ensuite, pour faire ressortir la fleur, je l'ai redécoupée dans le papier à paillettes rouge. Je l'ai découpée cette fois avec l'entourage autour. Vous voyez, il y a deux dies ici. Pour le pochoir, j'ai utilisé celui-là tout seul. Pour faire les découpes, j'ai utilisé les deux-là ensemble. Et je suis venue les recoller autour de mes fleurs. Je voulais vous expliquer ça pour que vous sachiez comment j'ai réalisé ce fond. Quant à l'autre, nous allons le faire ensemble. J'ai donc utilisé le poinçon tempête de neige qui se présente comme ceci sur un carton et j'ai placé dessus un papier vénilia transparent et j'ai coupé le tout ensemble. J'ai mis du vénilia pour vous essayer de préserver un peu et voir si on peut l'utiliser plusieurs fois. Nous allons commencer justement par ça, puisqu'il y a un temps de séchage pour ça. Je viens placer mon pochoir et je le fixe avec du ruban repositionnable. Ça peut être du masking tape également. Je prends ma pâte à embosser, alors il m'en reste plus beaucoup. J'espère qu'il m'en restera suffisamment pour ce projet. Je suis vraiment en fin de peau, donc elle est un petit peu dure. Je tiens une première partie. Thank you.
Bon, alors pour la deuxième partie, le résultat n'est pas topissime, mais je pense que c'est lié au fait que je n'ai plus de pâte embossée et qu'elle était relativement épaisse à la fin. Je vais coller les joyeux Noël dessus. J'ai découpé joyeux Noël dans différents papiers parce que je veux faire un peu des ombrages. Je veux que le joyeux Noël, ça nous fasse une sorte d'ombre et ça nous donne également de l'épaisseur. Je vais coller mes trois épaisseurs ensemble. Lorsque je fais mon collage, je m'arrange pour laisser apparaître la couleur dessous. Voilà pour mon joyeux Noël, donc je viens le mettre en place. Plutôt sur la partie haute, pour lorsque l'on positionne ensuite la carte sur un meuble, on va venir mettre cette partie devant, ici. Elle va venir se positionner ici. Et comme ça, on voit le décor derrière et tout le décor du devant. On a ces trois plis ici, 1, 2, 3, sur lesquels on a nos décors. Et puis on a ce grand pli là derrière qui nous sert à placer et à maintenir la carte ouverte. Et ensuite, je peux répartir tous mes petits flocons.
Et voilà mon décor de carte de réalisé. Ensuite, nous allons passer à la structure de la carte. Et je reprends mon papier cartonné qui fait 24 par 21. Je le plie. Ensuite, sur mon papier A4, je vais prendre ma planche de marquage. Je positionne ma page A4 sur ma planche de marquage, donc en centimètres. Et je viens marquer à 5 cm, mais à partir de 2 cm. Donc je vais les marquer à peu près à cette hauteur-là. Je vais m'aider de ma règle. Je ne pars pas du début. Et je ne vais pas jusqu'au bout non plus. Et je marque ici à 16. Ça va me servir de repère. Et là, je vais pouvoir tracer à 2 cm. Mais entre les deux traits que j'ai fait là. À 18, par contre, je vais le mettre sur toute la largeur de ma page. À 23, sur toute la largeur de ma page. Et à 28, sur toute la largeur de ma page. Et on va revenir dans l'autre sens pour bien aller donc du début, c'est-à-dire à partir des 2 cm, à partir de cette ligne de marquage que je viens de tracer là, jusqu'au 18, c'est-à-dire jusqu'à cette ligne de marquage là. Et en fait, ces deux lignes-là, on va les couper au cutter, ou au massicot, comme on veut. Entre ces deux lignes que l'on vient de tracer, je vais marquer à 4. Donc là, je vais m'aider de ma règle. C'est surtout pour trouver la rainure. Hein. Après, j'ai plus besoin de ma règle. À 7. À 10. Et à 14. J'enlève volontairement ma règle dès que j'ai trouvé la rainure parce que je ne veux pas tracer en suivant ma règle, mais je veux tracer en suivant la rainure. Et par contre, je vais tracer à 9, mais cette fois sur les extérieurs. C'est-à-dire, hop, ici et là. Ça, c'était la partie un petit peu compliquée. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, je prends ma règle, je prends mon cutter. Donc maintenant, j'ai cette fente ici, au milieu de ma page A4. Et je vais former tous mes plis. Les deux plis extérieurs, ces deux qui sont à 9, ils sont en plis montagne. Donc je les préforme, je n'insiste pas. Celui-ci, à 18, il est en plis vallée. Donc là, je viens le plier entièrement. Toujours en veillant bien à ce que les deux côtés soient parallèles. Celui-ci, il est en pli montagne. Et celui-là, il est à nouveau en pli vallée. Maintenant, on va plier ceux-là. Donc ici, je marque le pliage, mais je n'insiste pas. Maintenant qu'ils sont tous assouplis, pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne. Voilà. Tous nos plis sont formés. Notre chevalet est prêt à recevoir toutes nos découpes. Ici. Et ces deux-là, avec mon encre marée montante et mon doigt de mousse, je vais faire les tranches. Et je vais les faire pour tous mes papiers.
Je vais peut-être aussi donner un petit coup là pour donner un peu de la profondeur. Là, c'est moins utile parce que le papier est teinté dans la masse. Ensuite, on vient coller sur la partie devant. Celle-ci, on la laisse. On vient coller sur la suivante. Celle-ci, on la laisse et on vient coller sur la dernière. Ensuite, pour décorer, j'ai également préparé toutes mes petites découpes. J'ai prévu de mettre cette grille ici. Je viens mettre ma petite voiture par ici et rentre avec son sapin de Noël. Je vais mettre sur ma grille des petits nœuds. Je prends mon outil touche à tout. J'ai déjà tout colorié, vous avez pu le remarquer. J'ai tout tamponné avec le 7 et j'ai colorié avec mes Stampin' Blend, feutre alcool. Et j'ai tout découpé. La grille, la voici. Les petits nœuds, les voilà. La maison, elle est ici. La voiture, elle est là. L'arbre, il est là. Et l'étiquette, c'est celle-ci. On a vraiment toutes les découpes dans le 7. Là, je vais mettre ma maison par ici et l'arbre à côté. Sur la maison, par exemple, j'ai les petites guirlandes ici. Ici, on a les petites guirlandes qui sont sur ma maison. Et je vais lui mettre l'arbre à côté. Voilà pour les découpes. J'ai donc fait cette découpe que j'ai embossée avec la poudre cuivre que je vais mettre ici. Je vais le passer ici, mais avec de la mousse 3D. Et ici, j'ai fait cette découpe. J'aurais très bien pu aussi mettre l'arbre à cet endroit-là. Cette partie-là, c'est un onglet. Je prends mes ciseaux et je découpe en biais. Donc, une fois que mes petites décos sont en place, je peux venir coller ce morceau-là sur ce morceau ici. Et là, hop, voilà, tout est caché. Il nous reste plusieurs choses à faire. On va coller notre papier à motif. Alors, le pliage là est important, puisque la mesure de mon papier ici correspond exactement au mécanisme de la carte. C'est-à-dire que quand vous allez venir coller votre carte comme ceci, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à la ligne de pliage. Mais c'est ce qui va faire remonter la carte lorsqu'on l'ouvre. Voilà l'astuce. D'abord, je vais mettre un petit point de colle de
de chaque côté. Bien sûr, avec mon doigt de mousse, je viens colorer la tranche. Et donc, je vais coller la partie ici, celle où il n'y a pas le rebord de la pochette. Je la colle donc, on a notre carte qui est comme ceci. Je viens la coller sur le rabat à l'intérieur et je la colle à environ 5 mm du bord pour avoir le même écart partout. Et sur la partie, donc cette fois cette partie-là, je viens coller la bande. Je replie les 1 cm sur les trois côtés. Et pour ne pas qu'il y ait une surépaisseur, j'enlève l'angle ici et l'angle là. On n'est pas obligé de le faire, mais moi je le fais. J'ancre mon papier même plié. Je vais ancrer le dessus. Je mets de la colle ou du double face. Et cette pochette là, je viens la positionner à environ 2 mm de la pliure. Ensuite, on vient glisser ceci à l'intérieur et lorsque voilà, on ouvre, on ferme. Alors maintenant, on va fermer avec notre morceau de ruban. Ici, je vais positionner du double face au centre. Et derrière, on va avoir un aimant. Je vais venir le placer. Je vais déjà rabattre un bout de ruban pour ne pas qu'il s'effiloche. Ça me fait un petit ourlet. Ensuite, je viens mettre mon aimant par ici, par exemple. Je remets un bout de double face. Et je viens placer mon aimant dessus. Et ensuite, je vais venir rabattre le ruban comme ceci. Donc je remets du double face sur toute la longueur. Et je viens rabattre le ruban l'un sur l'autre. Ensuite, je prends ma rondelle sur laquelle l'aimant va venir se fixer et je la positionne avec du double face. Et une fois qu'elle est en place, donc j'ai découpé le sceau officiel du Père Noël. Je l'ai découpé en trois fois, donc deux fois ici, il est déjà collé deux fois. C'est pour amortir l'épaisseur de ma rondelle. Je viens coller cette partie-là ici. Après, en fonction de l'épaisseur de votre rondelle, vous le découpez une fois, deux fois, trois fois. Et je l'ai percé au centre avec ma petite perfo, un demi-inch. Et je peux venir recoller mon sceau sur le tout. Ma carte ainsi tient bien fermée. On va venir coller sur le devant ce qu'on a préparé tout à l'heure.
Et notre carte est presque terminée. Vous voyez, on a le mécanisme qui fonctionne. Ensuite, on peut la poser sur une étagère. Et là, je vais préparer la carte pour le mettre, le petit message que l'on va glisser dans la petite pochette ici. Pour cela, je prends mon papier murmure blanc avec cette chute. Je vais la recouper un peu. Je peux ancrer mes bords. Un petit peu de colle. Je vais prendre mon Stampin' White marée montante et je vais tracer et avec ma perforatrice Trio, je vais faire un petit zigouigoui là-haut et un arrondi ici. Un peu d'ancrage tout autour. La carte sur laquelle je mettrai mon message et qui vient se glisser ici. Et voici. Voilà, il ne me reste plus qu'à glisser l'échec et à mettre un petit message à l'intérieur de chacune de ces cartes. Et mes cadeaux de Noël, en partie, sont prêts. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez envie de le refaire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Portez-vous bien. Au revoir.